On va vraiment mettre le doigt sur les chiffres pour savoir précisément où on va aller, okay, quel rendement je vais avoir, quelle rentabilité, dans quelle ville je vais, et surtout, écouter nos conseils parce qu'on en a quand même beaucoup, beaucoup à donner. Et dans le deuxième rendez-vous, entre les deux, nous, on va travailler sur des simulations, donc d'investissement lié à ce qu'on s'est dit auparavant et qu'on va débriefer dans un deuxième rendez-vous. Et là, je pars en chasse et ça peut être très variable. Franchement, ça peut aller de... Des fois, c'est peut-être 2-3 jours à le plus long, je dirais 6 mois ou à peine plus, parce qu'on voilà, on avait des clients qui étaient assez pointus. C'est vrai qu'on essaie au maximum en amont de vraiment qualifier tous les critères de manière assez exhaustive pour que quand on propose quelque chose, ça match parfaitement. Et c'est là, nous, on met en marche finalement tout notre réseau, notaire, agence bancaire, pour les travaux aussi. Et alors sur la partie travaux, qui est quand même le nerf de la guerre, c'est à quel moment que ça se passe, l'estimation des travaux ? Ça commence déjà lorsque je visite le bien, où là on fait une estimation macro qu'on va inclure dans les simulations. Donc, suivi de chantier, donc, où là il va y avoir des visites de chantier hebdomadaires, où vraiment ça va être une fois de plus sur WhatsApp, hein, des photos, des vidéos, des comptes rendus. On chine absolument tout, de la cuillère à la table basse, passe par le canapé, etc. C'est pas IKEA, voilà. IKEA, quoi.